qu'on vient de pêcher sur le pavé. Un rejeton en bois. Regarde-le, il est fait avec des planchettes. Moi, c'est Crapule. Tu t'appelles comment, planchette? Je m'appelle Pinocchio. Pinocchio, Pinocchio. Pinocchio. Allez, raconte-nous ta vie, planchette. Comment ça se fait que t'es en bois? Parce que je suis une marionnette, mais je peux être un vrai garçon. Oh, eh ben, en tout cas, pour une marionnette, t'es sacrément futé, faut dire ce qui est. Seuls les gamins les plus intelligents savent pour le ramassage. Le ramassage? C'est quoi le ramassage? Le ramassage pour aller sur l'île, banane! À la nuit tombée, tu sors et tu attends gentiment à un carrefour désert. Tu traînais dans la rue, donc on t'a ramassé. Tu me fais rire. Oh, d'accord. Mais je dois retrouver ma conscience. Ta conscience? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah, toi, une conscience sur l'île enchantée. Alors là, je vois pas ce que t'en ferais. L'île enchantée? C'est là qu'on va, c'est ça? Tu m'étonnes, mon petit bout de bois, que c'est là qu'on va. Le plus grand patelin des plaisirs du monde. Pas de règlement, pas de parents, pas d'agent de police. Tu peux tout démolir là-bas et personne te dit rien. J'ai bien entendu ce que t'as dit tout à l'heure. Tu rêverais de changer, de te transformer, si je puis dire. Oui. Alors, t'as de la veine d'être là, tu vas pas le regretter. Parce qu'une fois que t'auras expérimenté l'île enchantée, ta vie sera plus du tout comme avant. Tu seras plus une marionnette en bois, garantie sans facture. C'est vrai? Non, que ouais. Que je sois maudit si je te mens. Ha! Eh bien, monsieur le cocher, c'est vrai que ça fait envie. Mais j'ai pas confiance en vous. Wow!